Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce nail art. Donc ce sont des, moi j'appelle ça des petits cordages. Pour moi, ça ressemble à des petits cordages. C'est inspiré d'un nail art de Nita Garcia. Donc pour commencer, j'ai appliqué une base de la marque Sally Hansen qui est Frozen Solid, le 680, qui est un petit bleu clair pailleté, très léger. Donc j'en ai mis 3 couches parce qu'il est très très peu couvrant. Donc ensuite j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche, la marque que j'utilise d'habitude, vous commencez à la connaître, Déco Art. J'ai utilisé le blanc et j'ai utilisé le bleu marin. Donc on va commencer par mettre la peinture sur la palette. Et ensuite, je prends un pinceau plat biseauté comme ceci. Moi, c'est la marque Mosaïque. Et comme d'habitude, on trempe le pinceau dans les deux couleurs. Et on dégrade. Donc moi je vais vous montrer sur le pouce parce que comme ça a très bien été, j'ai oublié de garder mon majeur. Donc en fin de compte, le motif, vous le mettez où est-ce que vous voulez. Donc vous voyez, ils ne sont pas au même endroit. Ils sont mis un petit peu où j'avais envie, mais je ne voulais pas le mettre au même endroit à chaque. Donc en fin de compte, on fait comme un arc de cercle pour le pouce. Là, c'est ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, la première couche est faite. Comme d'habitude, on va attendre que ça sèche pour pouvoir mettre la deuxième. Donc maintenant, on passe à la deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, il faut faire en fin de compte ce qui va donner du relief au motif. Donc pour ça, on va utiliser un pinceau de détail. Moi, j'ai pris le Rubloff taille 2. On va diluer la peinture bleu marin parce qu'on va commencer par le bleu marin. Pour que ça fasse des traits beaucoup plus fins. Voilà. Et on va commencer par faire le trait de relief. Donc le trait de relief, on commence de ce côté-ci,
du côté blanc. Donc je vais en faire un et je vais vous montrer. Donc voilà, on fait comme une sorte de petite vague et on descend jusqu'au bleu foncé. Et on en fait plusieurs comme ça, espacés. Donc je vais toutes les faire et puis je vais vous montrer avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc là j'ai fait tous les foncés. Donc ensuite, par-dessus le trait bleu, c'est-à-dire le trait qui est ici, là, vous faites la même chose mais en blanc. Donc par-dessus le bleu du blanc, là pareil, 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 pareil. Donc c'est juste à côté en fin de compte. Donc on va diluer la peinture blanche. Et donc c'est ces espèces de petites vagues qui donnent le relief au motif. Donc je vais en vous faire un et je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, je les fais juste à côté. On fait pareil pour les autres petites vagues bleues. Donc pensez à très bien diluer votre peinture, pas trop bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà. Donc là, bah c'est terminé. Donc attendez bien que ça sèche et puis vous n'avez plus qu'à mettre votre touche de top coat. Donc voilà, j'espère que Sonnel Art vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.